Salut les gens, c'est Jam Collector et aujourd'hui, JDG unboxé. Let's go! J'espère que n'empêche que vous passiez un très bon été, moi ça va super. Donc, alors, première unboxing pour la JDG Box. Donc, c'est la box qui est bimensuelle aux alentours de 25,99€. Donc, en gros, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est tous les deux mois. Tous les deux mois, c'est 26€ et une box de la part de Journal du Geek. Hein, voilà, et pas Joueur du Grenier pour ceux qui sont fatigués. Let's go pour le déballage. Allez, copains, je te montre à ton premier. Est-ce que c'est sympa? On y va, et bien sûr, nous laissons le t-shirt pour la fin, yavole. Allez, c'est parti pour le premier item. Une petite boîte, Mystery Mini Suicide Squad. Je l'ai toujours pas vu. Alors, Joker, Harley Quinn. Voilà, hop. Et tout le reste. Allez, on devine. On devine, et c'est le Joker! Youpi, encore! Oui, parce que j'ai eu dans une précédente box la Pop Joker. Donc là, maintenant, je l'ai en Mystery Minis. Ok, pourquoi pas. Voilà. C'est mignon. Bon, et là, il a une tête plus dangereuse que celle de la Funko Pop. Hein. Et let's go pour le deuxième item. Un verre. Ouais. Bien emballé. Starfleet Academy. Ah, cool. Un petit verre aux allures de Star Trek. Oui, le film sort la semaine prochaine. Voilà. Avec le gros logo Starfleet Academy devant. Ok. Ça fait toujours plaisir. Allez, troisième. On y va pour la suite. Ah! Ok. Le comics Harley Quinn. Complètement marteau extrait. D'accord. Toujours dans le thème Suicide Squad. Donc on est en plein dedans avec la sortie du film. Et il est tout en français. Ça, c'est cool. Pour le lire. Voilà. Ensuite, ah yes, des bonbons, des Chewy Mentos Poppin. Voilà, les Mentos tout vert, quand le sachet vert. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme goût. Ouais, cerise, pomme, citron, orange. Chewy soft. Bon, c'est soft, hein, ça pique pas, c'est pas non plus. Voilà, hein. Mais ça fait plaisir, merci, j'ai déjà. Hop. D'accord. Ah, un petit aimant pour frigo. Ah, yes. La Ecto One de Ghostbusters. Voilà. Hop. Miam, miam. Regarde pas, faut pas spoil. C'est bon aujourd'hui encore. Ouais, je sais, vous en avez marre, t'sais. Faudra que je trouve autre chose. Yop là. Alors, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? C'est parti. Ghostbusters. D'accord, excellent, excellent. Crossover. Entre Ghostbusters et le dessin animé dont je me souviens pas le nom. Mais j'aime beaucoup.
C'est excellent. C'est parti pour le récap. Allez, c'est parti donc pour ce récap spécial JDG Box, spécial thème cinéma, on va dire, du mois d'août, parce qu'on retrouve pas mal de licences qu'on a en ce moment au cinéma ou ceux qui vont sortir. Donc, on a le t-shirt de Ghostbusters, la mini, la série mini de Joker, spécial Suicide Squad. On a le petit magnette Ghostbusters, le vert Starfleet Academy, les bonbons, j'aime ça. Et pour finir, le comics Harley Quinn. Voilà, donc on se retrouve pour ce petit récap spécial JDG Box, spécial movies en ce moment au cinéma, on va dire, hein, c'est le thème. Donc j'en suis un peu déçu, je m'attendais quand même un petit peu à mieux pour une box bimensuelle. Donc j'attends votre avis en bas de la vidéo, hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu. Donc n'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et n'oublie pas, abonne-toi, copain!